Amnesty International a toujours été du côté de ces organisations, surtout dans le cadre de la lutte pour les droits humains. L'ADB en est une et ce n'est pas la première fois. L'expérience a montré que à chaque fois que l'ADB a sollicité le soutien de Amnesty International, cela n'a pas été une source d'hésitation. Tout de suite, le secrétaire exécutif Gassama, qui a d'ailleurs m'a fait l'honneur de le représenter aujourd'hui ici en Gorée, donc est venu en soutien par rapport à l'ADB, surtout dans le sens de la recherche de la paix au niveau de la zone transfrontalière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, donc du Balantokunda vers le département de Dongoré où nous sommes aujourd'hui. Donc une très grande satisfaction parce que les personnes sont venues en masse. Il y a de la qualité, il y a le nombre. Nous avons remarqué la présence d'un représentant de l'autorité administrative de Bijen. Il y a eu le roi de la zone de Bijen également qui est là, M. Camara. Il y a eu la présence du Khalife général du Balantokunda. Donc tout un beau monde qui s'est mobilisé avec conscience, avec engagement par rapport aux idées qui sont développées par l'ADB, c'est-à-dire d'accompagner les populations sur le chemin de la paix, mais également de les encadrer sur le chemin du développement. Nous avons vu une exposition de produits issus de transformation issue de formation de femmes, de jeunes, qui aujourd'hui, les résultats sont là. S'ils sont accompagnés, si la paix revient de manière définitive, on est sûr et certain que cette zone peut se développer pour le bonheur de ce terroir, mais pour le bonheur des deux pays, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Que cela évite, c'est pour ne pas trop durer dans les sortes de tergiversations, d'hésitations, de conceptions, alors que le chemin est bien tracé, les visions sont très claires, les objectifs sont connus, donc on peut y foncer pour gagner du temps. Gagner du temps, c'est-à-dire que avant de passer d'association, d'organisation et autres, moi j'ai proposé, Amnesty propose qu'il y ait déjà une synergie d'action, mais une concertation pour créer une sorte d'alliance globale des différents terroirs qui sont là aujourd'hui, pour que sur les traces des expériences des gens de Kaguit et autres, que les expériences sont là, donc on peut gagner du temps en allant de l'avant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le souhait est que ça aille vite pour que les populations, l'engouement ne dépérisse pas, que l'engagement soit là, que l'accompagnement soit effectif aussi bien par les acteurs à la base, mais aussi par les autorités au niveau central comme au niveau politique, qu'elles accompagnent également cela. Parce que cela ne peut pas être laissé seulement à des associations de jeunes qui ont la volonté, certes, mais dont les moyens manquent, dont le temps aussi peut manquer. Parce qu'en général, c'est des enseignants, c'est des jeunes qui sont en activité. Dès qu'ils seront dans leur travail en fonction, c'est encore des léthargies qui vont retomber. Alors que si on va vite, si on va vers l'avant, si on accompagne résolument, ça peut se réaliser et ça peut se faire.